Les amis, on se retrouve pour les réactions des principaux dirigeants suite à la Super League. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Troisième vidéo de la journée sur la Super League. Pour tout savoir ce qui s'est passé ce matin, retrouvez la vidéo précédente. Évidemment, elle est publiée sur ma chaîne YouTube, Antoine Petitjean, hashtag Respect Collectif. N'hésitez pas à vous abonner. On n'est pas loin des 300 abonnés et mettre un maximum de pouces bleus et commenter et partager pour le référencement. On commence évidemment par le président de l'UEFA qui a tenu une conférence de presse, qui a dit quelques petits pics pour la Super League et je vous donnerai aussi quelques informations jusqu'à la fin. Alexander Seferin, président de l'UEFA sur la Super League, j'espère qu'ils commenceront leur fantastique compétition le plus tôt possible avec deux clubs. Fin de citation, deuxième point. J'ai vu aujourd'hui des articles de presse supporters anglais, l'appel à la Ligue des zombies, peuvent créer ce qu'ils veulent. Fin de citation, je présente Alexander Seferin. Le président de la FIFA a également réagi avec, dans un communiqué, là, conformément à ses statuts, la FIFA croit fermement en la nature spécifique du sport, construite pyramide qui repose sur le mérite sportif et les principes d'équilibre compétitif et la solidarité financière. Le football doit sa longue fructueuse histoire. Aussi, je mentionnais que la FIFA et les confédérations des nations membres continuent à prouver à l'avenir dans l'intérêt et de tous les amateurs du football monde entier. Fin de citation de l'UEFA. Évidemment, il y a deux clubs qui sont ravis. C'est évidemment le Real Madrid. Allons communiquer. Au Real Madrid, nous accueillons avec une immense satisfaction la décision adoptée par la Cour de justice de l'Union européenne chargée des garanties valeurs. Dans les prochains jours, nous étudierons attentivement la portée des résolutions, mais j'anticipe deux conclusions d'une grande importance historique. Premièrement, le football interclub européen n'est pas et ne sera plus jamais un monopole. Et en deuxième, qu'à partir d'aujourd'hui, les clubs seront maîtres de leur destin. Les clubs voient vol, pardon, pleinement reconnu dans notre droit de proposer et de promouvoir des compétitions européennes qui modernisent notre sport et attirent des supporters du monde entier. Bref, aujourd'hui, l'Europe des libertés, des nouveaux triomphes, et aujourd'hui, du football, ses supporters ont aussi triomphé. Deuxième partie, face aux pressions que nous subissons depuis plus de 2 ans, le droit de raison, la liberté prélève aujourd'hui. Pour cette raison, le Real Madrid continuera à œuvrer pour le bien du football. Tout comme il y a près de 70 ans, nous avons franchi une étape fondamentale dans l'histoire du football, la création de la Coupe d'Europe. Nous avons aujourd'hui à nouveau le devoir et la responsabilité de donner au football européen un nouvel élan dont il a besoin. Pour y parvenir, nous continuerons de défendre le projet moderne, pleinement compatible avec les compétitions nationales ouvertes à tous, fondées sur le mérite sportif et qui importe effectivement le respect du faire plus financier, un projet qui apporte une durabilité économique à tous les clubs et qui en avant tout protégé des joueurs et enthousiastes supporters du monde entier. Évidemment, fin du communiqué, nous le ferons malgré les campagnes que nous avons subies qui sans cesse, aucun doute, vont s'intensifier à partir d'aujourd'hui. Mais personne n'a dit qu'il était facile de mettre fin à un monopole après tant de décennies. Nous sommes face à une grande opportunité d'améliorer le foot interclub, un football à l'apogée du XXIe siècle, avec une gouvernance transparente qui se fait coïncider avec des nouvelles technologies qui provoquent fois le plus de pression de l'émotion dont les supporters ont tant besoin. Permettez-moi de dire au club européen que nous sommes au début d'une nouvelle ère dans laquelle nous pouvons travailler librement à travers un dialogue constructif, sans menace, sans agir contre quoi que ce soit, ni contre qui que ce soit, dans le but d'innover et de moderniser le football pour continuer à alimenter la base des supporters. À partir d'aujourd'hui, le présent à l'avenir du football européen sont enfin entre les mains des clubs et des joueurs et leurs supporters. Notre destin nous appartient. Bon, grande responsabilité devant nous. Cette journée marque avant un après, c'est un grand jour pour l'histoire du football. Et pour l'histoire du sport. Fin des citations de Florentino Pérez. Rapide communiqué pour le Barça. Le FC Barcelone souhaite exprimer sa satisfaction face à l'arrêt de la Cour de justice
dans laquelle il approuve le projet Super League proposé par A22 Sport, tant qu'une entière motrice de la Super League, la FC Barcelone, considère que le jugement ouvre la voie à une nouvelle compétition au football de haut niveau en Europe. Nasser Al-Khelaifi, le président de l'ECA, s'exprime également. L'association des clubs européens, dont Nasser Al-Khelaifi est le président, s'exprimait sur la Super League. Pour être absolument clair, le jugement ne soutient ni approuve aucune forme de projet Super League. Citation du président. Nasser Al-Khelaifi a bien fait comprendre que son projet Super League une fois de plus. Nous avons tous les clubs avec nous ensemble, nous sommes fiers d'être partenaires de l'UEFA, car nous avons tous les clubs avec nous, sauf deux. Évidemment, vous vous en doutez, parle du Real Madrid et du FC Barcelone. Il parle de liberté, mais c'est une ligne fermée. Ils y voient une victoire dans l'indécision de la Cour de justice européenne. Mais moi, non, l'indécision n'a rien à voir avec la Super League. Toutes les parties prenantes en Europe seraient serrées les coudes avec les mêmes objectifs. Évidemment, à partir de là, il n'y a que eu des refus aux entités. On va commencer par la Liga, l'Atlético Madrid, le FC Séville, quelques minutes. La majorité des clubs de Liga ont refusé ce projet. Pareil pour l'Angleterre. Manchester United également a refusé le projet Super League. Nous communiquer de Manchester United. Notre proposition n'a pas changé. Nous restons pleinement engagés en faveur de la participation aux compétitions de l'UEFA, une coopération positive avec l'UEFA. La Première Ligue et d'autres clubs, par l'intermédiaire de la CA, sur le développement continu de jeux européens. Évidemment, il y a aussi le Bayern Munich. Je vous l'avais dit ce matin que le Bayern Munich, depuis le début, tout comme le Paris Saint-Germain, et l'AFP aussi a réagi, refusant évidemment la Super League, dont aucun club de Ligue 1 n'ira, ne soutient ce projet. Le Bayern Munich, comme je vous disais, comme le Paris Saint-Germain, communiqué le Bayern. Cela ne changera l'attitude du FC Bayern, l'attitude de l'ECA, selon laquelle une telle compétition de construire une attaque contre l'importance des ligues nationales ainsi que les statistiques du football européen. La Bundesliga constitue le fondement du Bayern Munich, tout comme toutes les ligues nationales constituent les fondements des clubs de football. C'est pourquoi il est dans notre devoir, notre profonde conviction de les renforcer et non s'affaiblir. Nous sommes également sous l'égide de l'UEFA, sous les compétitions européennes des clubs. C'est pourquoi, encore une fois, et très clairement, la porte de Super League du Bayern Munich reste fermée. Borussia Dortmund a également exprimé son refus du projet de Super League. Pour le moment, ils sont pas assez pour que ce projet Super League voit le jour. Le PSG vient aussi de communiquer. Manchester City également vient de communiquer à rejet de la Super League. Donc on voit que le Real Madrid et le Barça sont seuls dans ce projet de Super League pour le moment. Même la Juventus de Turin, s'est prononcée en défaveur de la Super League alors qu'ils avaient mené ensemble il y a quelques années, il y a 2 ans. Le début de ce projet. Voilà les amis pour un point complet sur les réactions de la Super League. Un grand nombre de majoritairement sont contre ce projet de Super League. Et donc, affaire à suivre, est-ce qu'il va voir le jour? Pour le moment, ça semble compliqué. Si vous voulez voir tous les détails sur la première vidéo de Super League, voilà, je vous avais promis, j'ai parlé sur Twitter une probable deuxième vidéo. Elle est là sur la Super League, évidemment, avec toutes les réactions. Pas toutes, mais une grande partie des réactions suite à ce projet qui a vu le jour et cette décision de cour d'arrêt. Voilà les amis, on se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. Si besoin encore, on reviendra en breaking news. N'hésitez pas, je vous rappelle, à mettre un maximum de pouces bleus, à commenter, à partager pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner, on n'est pas loin des 300 abonnés. Et à mettre une petite cloche pour activer toutes les notifs pour ne rien louper. C'est la plateforme de respect collectif. Voilà les amis, abonnez-vous un maximum, s'il vous plaît. Merci par avance. On se retrouve très vite. N'oubliez pas mon leitmotiv du jour. Profitez des vôtres.